Oh, it's not even, 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 o
sacrifice de cette assemblée. Accepte et transfère le contenu à Israël comme elle, qui se souvient également de ceux qui n'ont pas participé à ce don. Éternel notre Dieu, exauce et bénis l'offrande du peuple du Consolateur Josué, au nom de Jésus, notre Rédempteur. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Et avec l'Esprit de Josué. De Dieu. Le don du président du conseil à la PDA. Monsieur le maire, le représentant de l'Église de Guinée, tous les communautés qui sont venus, vous serez appelés le président à passer et vous allez exercer ce qu'on vous appelle. C'est très important ce moment que nous allons vivre. Nous allons commencer. Monsieur le vice-président, vous avez la parole. Thank you.
Thank you.
Les femmes médiatiques, c'est le plus massif.
Les fauteuils plus à l'entrée. À l'entrée. À l'entrée. Après Josué, c'est Josué. Même Josué. Akradio offre la cuisine de Madame Son Éminence, les clés. Thank you.
un morceau de poisson, une boule d'attiéké, un sachet de riz, et il y a les condiments qui sont accompagnés aussi. C'est pour ça que les autres voient. Mais seulement nous avons ceci, c'est pour vous aviez, vous et votre épouse. C'est un ensemble de pain pour votre femme et pour vous-même. Et ça, c'est symbolique. C'est moi-même et mon mari. Alors, vous êtes un homme pour nous bénir. Merci, l'église de Christianité Céleste, dont tu me parles.
Au nom du Père, du Fils
Inscrit. La somme de 60 000 francs.
Merci. Oh, que pardon, venez, venez.
Qui arrivait dans le Lemoutou à
village. Et ce village-là s'appelle Akatio. Donc je suis fille d'Akatio. Alors le ministre Esmaël Emmanuel offre 1 million de francs à l'église, 500 000 francs à son éminence, 1 million de francs à son église. Monsieur le ministre, êtes-vous heureux
heureux du fait que vous ayez associé à son jeune frère et collègue, le ministre, Olam Kwadio-Bertin. Oui, nous sommes spécialistes. Oui, je suis spécialiste. À travers une personne à qui je voudrais rendre hommage, c'est la seule idée que j'ai pour rendre hommage à cette personne. Je voudrais citer Madame Laurier Josephine, si elle veut se lever. Alors, Laurier Josephine, elle a aimé et servi José. Quand va se marier, j'en suis témoin. Et Laurier Josephine, c'est ma mère. Et c'est par elle que je suis attaché à l'église spécialisée. Rendons hommage à tous les devanciers qui ont accompagné notre famille. Je suis fier d'être ici. Aujourd'hui, nous célébrons l'Esprit Saint-Josué à travers son éminent serviteur Nyamba Dondo Pierre. Tous nos voeux l'accompagnent. Le général a parlé d'une petite histoire. Je vais vous la raconter. Celui que nous célébrons aujourd'hui n'est pas notre père. Je ne sais pas quoi dire de lui. Mais c'est quelqu'un qui m'est très proche. On a été amis, on a été frères, on a galéré ensemble à cette université. Et la petite histoire, c'est que lorsqu'il a fini de soutenir son DEA, j'étais là. Après, je m'attendais à ce qu'il poursuive en thèse. Et puis après, quand je le rencontre, mais Pierre, allons faire ta thèse. Il dit non, il y a une autre œuvre qui l'attend. L'autre œuvre, c'est le métier. Et je l'ai vu faire des cours passer par là. Pour que je vous dise que je n'étais pas d'accord. Il ne veut pas aller juste en thèse. Parce qu'à 30 minutes, nous n'en avons pas beaucoup. Mais c'est aujourd'hui que j'ai compris. J'ai compris que quand Dieu vous a choisi, il vous prépare longtemps à l'avance. Et Dieu l'a préparé pour être le chef suprême de l'Église messianique de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Éminence, je ne peux plus t'appeler par mon petit nom que nous on. Bon, ça c'est fini. Hein, ça c'est fini. Mais sachez que nous avions une association. Lui, moi, Yaola Soudi, Jacques Lamy, vous voyez, ils sont de tous les quartiers. Nous étions de tous les quartiers et notre association s'appelait ARAC. Ça veut dire le rameau de la paix. Nous, déjà jeunes, autour de 20 ans, nous courions à Radio Unie. Pas de quartier, pas de quartier, pas de religion, pas de famille. Nous courions à Radio 1. Déjà très jeunes. Aujourd'hui, hélas, vous êtes, Dieu vous a moins pour que par vos prières, en fait, soit unis. Parce que quand on n'est pas unis, nous qui sommes de l'autre côté, quand on demande, en fait, c'est difficile pour notre vie. C'est parce qu'on n'est pas unis. Hélas, que vos prières vous accompagnent, par exemple, que vos prières puissent grandir et vivre, mes amis. Je vous remercie. Attention! Applaudissements à la Saint-Esprit.